Heureuse nouvelle pour le Premier ministre britannique. Boris Johnson et son épouse Carrie Simon attendent un deuxième enfant. La jeune femme de 33 ans a annoncé sa grossesse samedi 31 juillet 2021 sur son compte Instagram privé. Confiant également avoir subi une fausse couche en début d'année. Le couple a déjà un petit garçon. Wilfred, né en avril 2020, qui avait fait ses grands débuts lors du sommet du G7 au printemps dernier. Peu après le mariage surprise de ses parents. « J'espère que notre bébé arc-en-ciel sera là pour Noël », a annoncé sur le réseau social Carrie Simon. Adoptant un terme souvent utilisé pour désigner le bébé arrivant après une précédente grossesse qui s'est finie de manière tragique. Par une fausse couche ou une morte naissance, a rapporté l'AFP. Au début de l'année. J'ai fait une fausse couche qui m'a laissé le cœur brisé, a confié Madame Johnson. Je me sens incroyablement bénie d'être à nouveau enceinte, mais je me sens aussi comme une boule de nerfs. Guillaumet. Carrie Simon a elle expliqué que les problèmes de fertilité peuvent être vraiment difficiles pour beaucoup de gens. Surtout lorsque sur des plateformes comme Instagram, on peut avoir l'impression que tout va toujours bien. Elle a ajouté, alors j'espère que, d'une toute petite manière, le fait de partager cela pourrait aider d'autres personnes aussi, a-t-elle expliqué. Outre Wilfred, Boris Johnson a quant à lui déjà 4 enfants avec sa seconde femme dont il a divorcé. Il a reconnu un 5e enfant né d'une union extra-conjugale et la presse lui prête un autre enfant illégitime.